CEDEC. Parlons de l'initiation à la culture entrepreneuriale. Conférence École des entrepreneurs équinois. Nous vous invitons à prendre part à une version à Rome qui incitera la réflexion de tous les participants. Jonathan Louan. Bien sûr, c'est atteindre les objectifs. Chacun de nous dans la vie a des objectifs. Chacun de nous dans la vie a des événements qui encadrent sa vision. Alors le fait pour toi d'arriver à atteindre ces objectifs, ce qu'on appelle ici. Donc il est possible d'avoir de l'argent, mais de ne pas réussir dans la vie. L'argent n'est pas un objectif, ni même une vision, mais c'est un moyen. C'est l'un des moyens qui te permet à atteindre. Alors, que faire pour réussir? La première des choses, il faut avoir une vision. Et quelle est ta vision pour les 5 ans? Ou encore, la vision que tu as de la RDC pour les 10 ans? Moi, en créant la corporation des jeunes entrepreneurs du Congo, j'ai dit, ma vision, c'est que je désire avoir, je désire voir un Congo où l'entrepreneuriat est devenu une culture. C'est-à-dire que chacun sache que non, peut-être que je suis là, je ne vais pas avoir une entreprise. C'est-à-dire que être un chef d'une entreprise, que ce ne soit pas un miracle, mais que ce soit une culture que tu as inculquée dans ta tête, que tu as la capacité également de les transmettre à une autre génération. Les objectifs que tu as, ce sont des choses, des moyens qui te permettent d'atteindre ta vision. Mais la vision, c'est les rêves que toi tu as dans ta tête. Ce que tu désires voir dans les jours à venir. Il faut que ta vision également puisse résoudre un problème quelconque. J'aime beaucoup les rêves. Je suis célibataire, mais dans les rêves, je peux être marié. Je vais me donner la note. Les rêves, c'est le meilleur endroit qui te permet de devenir même président de la République sans être arrêté pour cause d'outrage du chef de l'État. Donc, la personne qui a une vision est comparable à la femme enceinte. Une femme qui est grosse. Une femme qui est grosse n'est pas comme les communs de mortels. Une femme qui est grosse, il a un régime alimentaire approprié. Il a aussi un régime vestimentaire approprié. Tout ce qu'elle doit faire doit devenir quelque chose de particulier. Et ça demande certaines choses pour que l'enfant qu'elle a dans son ventre soit en bon état. Et celui qui a une vision travaille également pour cette vision-là, pour accomplir cette vision. C'est là où là, j'ai rêvé encore dans la vision de l'entrepreneuriat, la conception. La vision est le moteur d'un entrepreneur. La vision est le moteur de développement de toute personne. Si tu veux décoller dans la vie, le premier pas pour le décoller, c'est la vision. Toi, tu es ici, mais les autres, on les a appelés, ils ne sont pas venus. Pourquoi toi, tu es venu ici? C'est parce que tu as une vision. Tu as une vision de demain. Fais vision d'un Congo de demain, un Congo des entrepreneurs. Voilà pourquoi tu es en train de nourrir ta vision. Quand tu as une vision, il faut avoir la confiance en soi. C'est l'un des principes que j'ai parlé dans mon livre, 12 principes pour devenir un bon entrepreneur. La confiance en soi. John Marcature, il dit pour lui-même, il crée de propres livres dans son parcours. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va échouer quelque part, il va toujours remettre en cause ce qu'il a déjà fait. La confiance en soi est l'un des facteurs qui te permet à te propulser vers l'avant. Moi, ce que je fais ici, même si toi tu ne m'acclames pas, à mon intérieur, moi-même je m'acclame. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout blessé quand les gens me ciblent. Pas du tout blessé. Quand les gens me disent qu'il est, c'est un rêveur, je ne suis pas du tout rêvé. Je ne suis pas du tout choqué. Pourquoi? Avant qu'ils le disent, moi-même je m'encourageais. La confiance en soi, je l'ai même appelé dans mon livre, c'est le mégabyte par excellence qui te permet de naviguer sur les terrains de la vision. La confiance en soi. Tu veux être une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aie une vision et mets de la confiance dans cette vision. La question reste à savoir qu'est-ce que nous pouvons comprendre en parlant de l'initiation. Le terme initié veut tout simplement dire introduire une personne dans une nouvelle chose. Une production de la CIJAI.